Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, comme première, on va parler un petit peu de Safari et de Firefox, donc des deux butineurs qui font autorité entre guillemets sur Mac. Safari il a un net avantage puisqu'il est comme Internet Explorer sur PC, c'est-à-dire qu'il est installé d'office et que dès que vous ouvrez une page, c'est le navigateur par défaut. Donc les switchers débutants, switchers tout court, passent la plupart de leur temps sur Safari. Moi, ce qui m'a amené à passer sur Firefox récemment, puisque j'étais un gros addict de Safari comme tout le monde, puisqu'il permet là, avec MobileMe la synchronisation des signés. Je retrouve les signés que j'ai dans mon Safari sur mon Safari mobile sur l'iPhone. Donc ça permet une grosse interaction. Quand je surfe pardon, sur le net avec mon MacBook et que je vois une page qui me plaît, je la mets tout simplement dans mon dossier iPhone et boum, elle se retrouve automatiquement sur mon iPhone. L'inconvénient que j'ai trouvé à Safari, c'est Facebook. Vous allez me dire, oui, j'ai eu un commentaire sur ça sur le forum Mac Forever. Oui, alors Facebook en plus ça sert à rien et ça fait ramer Safari. Facebook sert peut-être à rien pour certaines personnes, moi j'y vois une certaine utilité. Je vous explique donc la chose. Quand vous êtes sur Safari que vous chargez une page Facebook, la page Facebook met pas mal de temps à se charger. Un peu plus que. Des fois c'est flagrant. Par exemple, hier soir j'ai fait le test encore une fois, ça mettait 3 secondes à se charger sur Firefox et 12 secondes à se charger sur Safari. Et la page enfin contenait des erreurs. Donc j'ai certaines images qui ne s'affichent pas, des liens qui ne sont pas actifs, une mise en page qui est souvent défectueuse. Donc au final, Safari et Facebook ne font pas bon ménage de mon côté. Donc, on va aller faire un petit saut et tester ça de suite. Donc, toujours pareil, je suis désolé, il faut que je trouve un système pour ça, pour faire une rotation de caméscope un peu plus pointue. Donc là, comme vous allez le voir, nous sommes sur Firefox. D'accord? Pour tout le monde, ça va bien. On est sur ma page Facebook de Firefox. On va même faire mieux, on va aller sur la page du blog de Firefox, de Facebook, voilà. J'aimerais mettre la photo plus petite, désolé, mais bon là, c'est je peux pas choisir. Donc comme vous constaterez, ça va peut-être vous motiver pour venir sur le fan club, le fan group. Les photos du Samsung Pixel, ils sont déjà. Donc vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. Donc là, on va faire un refresh. Regardez, je fais mon refresh. Maintenant, 1, 2, 3, page chargée. Je vais maintenant ouvrir Safari. Suspense, je ne sais pas sur quelle page ça va s'ouvrir. Google, parfait. On va aller faire un tour sur Facebook. Facebook.com. Et là, ça lag déjà pas mal. Ta 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 ta. L'avantage avec Safari, c'est qu'avec la barre de progression en haut, vous voyez très clairement l'évolution de la chose. Donc on va repartir sur. Voilà, alors lui, il est spécialiste. À chaque fois que je fais un podcast, il y a systématiquement des petites notifications. Donc locan.fr, hop. Et là, la page se charge. Ta 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 ta. Donc on est d'accord que ça lag énormément plus et je pense que le test peut s'arrêter là. C'est assez flagrant. Je vous en fais un dernier sur Firefox. Hop, un petit refresh. Et boum, ma page est à nouveau chargée. Voilà. On peut aller à nouveau sur l'accueil pour que vous voyez une différence dans le changement de page. Hop là. Ma page est chargée, je reviens sur mon profil. Hop, ma page est chargée, je repars sur Locan. Hop, ma page est chargée. Ça va extrêmement vite. Ce qui est très loin d'être le cas quand on vient sur Safari. Ah ben là, pour le coup, ça me fait mentir. Hop, vous voyez, des fois, ça peut aller extrêmement vite, enfin, être tout simplement incorrect. Et là, voilà, la page profil, elle, ça lag grave. Hop. On va repartir sur locan.fr. C'est ça le problème en fait, à mon sens, et la démonstration que vous venez d'avoir là. La première série de mouvements avec Safari que j'ai faite, vous avez bien constaté que ben, tout simplement ça a lagué. C'était lent, pardon. Et de temps en temps, ça va fonctionner très bien. Très bien, enfin, de façon correcte, je le répète. Donc, Safari a ce petit bug à mon sens, c'est que pour Facebook, c'est pas vraiment trop bien taillé. Donc, je vais bricoler un petit peu plus, essayer de trouver des solutions. Promis, dès que j'ai quelque chose, je vous en parle. Je vous fais un topic soit sur le blog carrément. Je suis l'administrateur, je fais ce que je veux. Donc, je vous mettrai un joli article sur le blog pour vous en parler. Voilà, les amis, c'était Locan pour locan.fr. Je vous souhaite un agréable week-end et de bonnes fêtes de fin d'année, mais on se reverra avant. Ciao, ciao!